Une réunion de 2 heures du bureau politique pour examiner et adopter les amendements du règlement intérieur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ce mardi au siège du parti à Cocody. Mais avant cela, Henri Conan Bédier, le président du PDCI, s'est exprimé sur l'actualité du pays. Devant la quasi-totalité des barons du parti, il s'est réjoui du retour en bonne santé du président Alassane Ouattara et surtout de l'apaisement du climat social et de la réussite du dialogue politique. Nous avons, au niveau du PDCI-RDA, apprécié les propos tenus par le président Afinguessan lorsqu'il nous a rendu visite. Et je suis heureux de noter que les conseils que je lui ai prodigués à cette occasion semblent faire leur effet. Cette réunion du bureau politique intervient 3 mois après le 12e congrès ordinaire du parti tenu en octobre dernier. Les amendements du règlement intérieur adoptés ce jour font partie de la mise en application des réformes issues du 12e congrès. Ces modifications ont trait, entre autres, au fonctionnement du secrétariat exécutif sur le modèle d'un gouvernement avec un secrétaire exécutif du parti, chef du secrétariat exécutif, qui joue le rôle de Premier ministre, et des secrétaires exécutifs chargés de domaines spécifiques qui jouent le rôle de ministre. Désormais, au PDCI, c'est le doyen d'âge des vice-présidents qui assure l'intérim du président du parti en cas de vacances. Avec ses amendements de certains tests de son règlement intérieur, le PDCI veut s'inscrire dans la dynamique de la renaissance.